outils utilisés, alors ça va certainement être des choses que vous connaissez ou qui existent dans WebCity. Je n'ai jamais utilisé WebCity, donc je ne peux pas faire la comparaison. Et après, autant qu'on parte assez vite. Si je suis trop long sur une partie, faites-moi signe d'avancer. Si vous avez des questions, gardez-les. Et si vous avez des questions, ça n'a pas été présenté. Est-ce que c'est possible? J'essaierai d'y répondre. Donc, rapidement, on va parler de moi quand même rapidement. Je suis prof de langue anglais-néerlandais à l'Institut de langue vivante. Et depuis que ma troisième année à l'ILV, j'ai repris la gestion de la plateforme Moodle, qui à l'époque était une plateforme Moodle ILV, qui est ensuite devenue une plateforme Moodle UCL. Donc je travaille juste pour expliquer. Donc ILV, Institut des langues vivantes à l'UCL. Voilà. Pour ceux qui ne regardent pas comme moi. Okay, alors, sachant peut-être qu'à l'UCL, c'est Clara Lagne qui est. À l'UCL. C'est une autre plateforme qui est officielle. Donc, il y a plusieurs plateformes utilisées actuellement à l'UCL. Donc, eCampus, qui est une déclinaison Claroline. Ouais. UCLine, qui est aussi une déclinaison Claroline pour l'enseignement à distance uniquement. Moodle UCL, qui est utilisé aussi par tous les étudiants, beaucoup à l'ILV, mais également en école polytechnique, et de plus en plus pour le peer review. Et maintenant, il y a edX aussi. Et nous avons aussi une plateforme d'e-portfolio. Donc on est en train de travailler à l'harmonisation de tout ça. Rapidement, à l'Institut de langue vivante, on travaille en blended learning, flipped classroom, classe inversée. Bon, vous choisissez un peu le terme qui vous convient le mieux. Donc ce ne sont jamais des cours entièrement à distance. Il y a toujours une partie de présentiel. Je pense que c'est beaucoup votre cas chez vous aussi. Mais c'est important à savoir parce que c'est pour ça que certaines activités, par exemple orales, expression orale, ça ne se retrouve pas sur la plateforme. Ben non, on fait ça en classe. Donc là, je ne vais peut-être pas avoir trop de temps. On a un espace propre pour la quasi-totalité des cours anglais, néerlandais, allemand, français, langue étrangère, et les autres, il y a des cours, il n'y a pas de plateforme, il y en a qui en ont, mais c'est en augmentation. On utilise en fonction des dispositifs de cours, donc une plateforme sera d'une certaine manière, l'autre sera tout à fait différente. Il y en a où il y a juste des ressources parce que tout se fait en classe de façon interactive. D'autres sont beaucoup plus fournies, je vais essayer de vous montrer ça. Il y a deux fonctions principales, une petite fonction administrative qui nous permet de gérer les groupes, les rendez-vous avec les étudiants, les points. On transfère les points aussi via la plateforme pour que les étudiants aient les détails de leurs points, parce que leur fiche de points, ils n'ont que le total, mais nous on essaie d'avancer un peu plus là-bas. Et bien sûr, c'est les situations pédagogiques qui sont plus intéressantes. Je vais essayer de présenter un peu comment on attaque la mise en place d'un cours à différents niveaux. Level 1 pour les gamers entre vous. Voilà, on améliore, on fait de mieux en mieux. À la base, on choisit. Donc, au premier niveau, on a un espace sur lequel on met des ressources. Et il y a j'ai mis deux formats de cours, un format thématique et un format hebdomadaire. Donc, on choisit soit de diviser le cours par thématique, grammaire, vocabulaire, ou alors le sujet. C'était les baleines bleues en Atlantique Nord, par exemple, pour ceux qui font anglais en VT, ou alors par semaine, hebdomadaire. Et il existe aussi un format social, mais je crois que c'est ce qui a été choisi pour votre forum pédagogique, qui est en fait des forums. On structure le cours avec des titres de section ou les semaines, et ça vous allez voir des exemples, des étiquettes pour rajouter des images, des vidéos, des sous-divisions. Et puis on commence en général par juste rajouter des ressources, texte, images, multimédia. Je ne sais pas si je vais faire la démo maintenant, je vais la faire après, mais une des grosses évolutions de Moodle 2, et ça fait plaisir à plusieurs de mes collègues, c'est pour rajouter des fichiers, on fait un glisser-déposer, et le fichier est mis directement sur la plateforme. Et l'autre changement, c'est que par rapport aux images, par exemple, elles sont mises directement, on choisit, est-ce qu'on veut que l'image s'affiche ou que ce soit un lien à télécharger. C'est assez sympa. Ou alors on utilise le sélectionneur d'activité, donc c'est ceci, ici, qui est divisé entre activités et ressources. Je vais revenir un peu plus en détail. Une des grandes forces de la plateforme aussi, c'est d'avoir des bulles d'aide un peu partout. Donc quand on décide de rajouter une étiquette, on a une petite explication, on veut plus d'aide, on clique dessus. Alors si votre cours est mis en français, ça vous emmènera vers l'aide en français, qui est assez fournie, mais qui n'est pas encore complète. Mais vous pouvez accéder aussi aux pages en anglais, et là, vous avez tout. Donc, comme Joël disait, c'est une communauté très active et très complète.
Donc on rajoute les ressources, texte, images, livres, il y a d'autres types de ressources. On peut passer sur les activités, vous avez aussi des activités, ça je vais bien dans une minute. Et il y a des réglages courants pour tout ce que vous mettez en ligne, vous pouvez choisir de les diviser par groupe. Donc dans notre cas par exemple, j'ai souvent des cours où il y a un code cours, 3 profs, 12 groupes. Donc ça c'est mon cours de droit par exemple. Eh bien, on décide que certaines activités soient filtrées, donc tous les étudiants font leurs travaux là-bas, mais le prof veut filtrer pour ne voir que ses étudiants. Ça, c'est quand même pratique. Et on peut même aller plus loin, c'est ce qui est fait par exemple dans le cours en relations publiques et journalisme. Certaines activités ne sont visibles que par certains groupes d'étudiants et d'autres que par d'autres. Et par exemple, les étudiants en journalisme vont... les relations publiques vont faire un dossier de presse qu'ils vont mettre en ligne. Les étudiants en journalisme ne les voient pas. Et puis les journalistes, ils vont faire une conférence de presse, et puis les journalistes vont faire leur rapport là-dessus, et on active en fonction, mais c'est un seul espace. Donc, il ne s'agit pas de deux espaces, mais c'est un espace qui permet de, selon l'activité, de rendre ça visible à tel groupe d'étudiants, un autre, plus, etc. Et bien sûr, en réglage courant, on peut toujours décider, vous travaillez sur une activité, vous la cachez tant qu'elle n'est pas prête. Arrivons ensuite aux activités. Là, on monte niveau, forcément, là, on commence à faire travailler les étudiants sur la plateforme. Je vous ai mis la liste de ce qu'on a chez nous. Tout ce qui est encadré, ce sont des activités qui sont standards dans Moodle, et les autres, ce sont des plugins. Donc la communauté a développé des modules complémentaires assez chouettes. Et nous, on a fait le choix de certaines activités complémentaires. Je ne sais pas ce qui sera fait ici. Et donc, je vais vous parler de celles qui me semblaient intéressantes dans le cas ici. Elles sont principalement collaboratives. Bien sûr, il y a des devoirs. Voilà, l'étudiant, il rend son devoir tout seul. Il y a des tests. Ben, on espère qu'il travaille tout seul. Pas toujours sûr. Toutes les activités ou ressources sont duplicables. En un clic, on duplique la ressource, ce qui est intéressant. Si par exemple, vous faites un test que vous avez paramétré d'une certaine manière, mais vous voulez juste changer les questions, vous dupliquez, vous effacez les questions, vous rajoutez les questions à partir de la base de données. Ça fait gagner un temps incroyable. Et on peut les déplacer. Une année, ça c'est le travail que je fais chaque année, ça marche mieux si on réorganise, donc on déplace les activités, les ressources d'une semaine à l'autre, ou les sections carrément. Alors, que de choix en activité. Là, je mets le lien, mais je donnerai le PowerPoint donc, qui sera distribué. C'est le guide des outils pour Moodle, qui a été développé par Joyce, quelque chose, pardon, sur le site Cat's Pyjama, c'est qui a été traduit justement par la communauté en plein de langues. Et en fait, le tableau n'est pas lisible ici, mais vous voulez faire ceci avec vos étudiants. Est-ce que c'est voilà les outils, conseiller, c'est vert, orange, ok, rouge, non, passer à autre chose. Donc c'est assez sympa pour chercher, pour faire le choix d'activité selon l'utilisation. Donc de nouveau, c'est une plateforme qui est vraiment développée en fonction des demandes des utilisateurs. Et parfois, mes collègues me demandent une fonctionnalité, moi je ne programme pas, je suis programmeur, je ne suis pas informaticien. Et très souvent, en faisant des recherches, on voit que c'est soit en développement, soit recherché. Donc par exemple, il y a une avancée sur le module de devoir qui est l'annotation de PDF directement en ligne, qui est sur 2.6. Donc là, j'attends. Nous, on passera la mise à jour à 2.6. On est à 2.5, on passera à 2.6 en juillet. Excuse-moi. Pardon, oui. Je voudrais qu'on ne commence pas à lire. Donnez juste un exemple des activités conseillées. Par exemple, espace collaboratif, oui. Je veux que les étudiants travaillent ensemble, et bien forcément vous allez avoir par exemple ici devoir, non c'est rouge parce que le devoir n'est pas un espace collaboratif. Parfait. Par contre le wiki, le forum, là on peut travailler. Ouais. Il mériterait d'être mis à jour en fonction éventuellement des modules complémentaires choisis. De toute façon c'est sous licence Creative Commons, donc tant que vous mentionnez, c'est bon. Quelques points forts de certains outils. Donc le devoir, là forcément c'est quelque chose que vous utilisez, j'imagine. Vous pouvez faire différents types de devoirs de façon combinée, ça c'est la grande avancée de Moodle 2. On rend un devoir soit un texte en ligne, soit un fichier, soit une combinaison des deux. Soit le devoir est offline, entièrement offline, mais vous pouvez utiliser le devoir pour donner le feedback aux étudiants. Je donne un exemple, les étudiants doivent faire une présentation. Très bien, ils font leur présentation. Mais je vais leur donner un feedback avec une grille d'évaluation. On utilise l'outil Advanced Grading, le Rubrics,
On crée notre grille d'évaluation, on coche les cases et l'étudiant, en rentrant chez lui, a directement le feedback. Ça, c'est une utilisation possible que je vais tester plus en avant cette année avec mes étudiants. Ce que je disais, à partir de cette année, 2.6, l'annotation des PDF en ligne directement. Très sympa aussi, vous téléchargez tous les devoirs des étudiants avec un fichier Excel avec les points. Vous corrigez à votre aise en buvant un café sur votre terrasse chez vous. Vous re-zippez tout, vous ré-uploadez et la plateforme va redistribuer tous les devoirs à tous les étudiants et inclure les points dans le cahier de cotes. On ne l'a pas encore testé énormément chez nous, mais j'ai vu sur les forums que ça marchait quand même bien. Vous pouvez aussi décider que l'étudiant remet son devoir sous format draft, donc brouillon. Le travail n'est pas bien fait, je le remets à l'état de brouillon, l'étudiant n'a qu'à retourner le faire. Donc tout ça est possible. Je vais montrer après 2-3 captures d'écran à quoi ça ressemble. Le forum, il y a différents types. Chaque étudiant commence une discussion, participe, etc. Et vous pouvez définir, sur les suivis d'achèvement, ça c'est level 3, hein, plus loin, quelles sont les conditions pour que l'activité soit considérée comme achevée. Donc par exemple, j'ai un exercice auquel je demande à mes étudiants de commencer une discussion et de participer à deux autres discussions. Donc la plateforme va compter, ok, l'activité est considérée comme achevée parce qu'il a fait un post et il a répondu deux fois. Est-ce qu'il l'a bien fait? Ben ça, après, c'est à moi de voir, mais au moins, je peux avoir un aperçu rapide. On peut définir des appréciations de contribution. Oui, c'est très bien. Enfin, définir un peu nos quotas, enfin, ça, c'est très bien joué, c'est pas très clair. Enfin, ça, il y a différents. Après, je vais pas commencer à décrire tout, sinon vous allez vous endormir. Le glossaire est un outil collaboratif qu'on a beaucoup utilisé, nous, de façon ressource. Donc, on donnait le glossaire aux étudiants avec le mot, la traduction, les exercices et tout, enfin les liens, et c'est automatiquement lié. Donc si on met un texte en ligne, on peut s'assurer que le mot soit cliquable et l'étudiant est directement emmené vers le mot du glossaire. Bien sûr, le problème, c'est qu'il faut en coder toutes les formes. Pour un verbe, il faut en coder toutes les déclinaisons, et bien sûr, les homonymes, là, on est mal là, parce qu'il n'y a pas de différenciation entre les sens. Vous pouvez aussi décider que le glossaire est collaboratif, mais les autres étudiants ne voient ce que leurs collègues ont mis que uniquement une fois que le prof a approuvé, a dit « ok, c'est correct » et on peut le faire. C'est très chouette comme outil de collaboration pour améliorer le vocabulaire, même si j'utilise moi-même un autre module pour ça, mais je reviendrai dessus aussi. L'atelier workshop en anglais, c'est un outil d'évaluation par les pairs. Donc, les étudiants remettent leurs devoirs et sont évalués par les autres étudiants. Nous, on l'utilise très peu en cours de langue, parce que justement, c'est très difficile de demander à des étudiants d'évaluer la production en langue de leurs collègues. Bon, bien sûr, ça pourrait l'utiliser pour des questions d'évaluation de contenu, de qualité, etc. Mais c'est utilisé en PAC 1, en ESPO, avec des groupes de 300 étudiants. Et avec des volontés d'aller plus loin. Ce sera présenté d'ailleurs à l'AIPU, la conférence AIPU bientôt. Base de données, c'est un outil très versatile. Là, je vais vous donner, ce sera plus clair après. Vous encodez des données selon différents champs, et puis vous pouvez décider de les présenter de différentes manières. Manière simple ou manière compliquée, vous allez voir un exemple ou deux après. Un outil que j'utilise énormément, c'est le test, quiz en anglais. Et là, ça, c'est vraiment un de mes outils préférés parce que je peux, une fois que j'ai fait ma base de données de questions, je peux les réutiliser de différentes manières. Alors, je peux encoder une question avec des hints, des indices. Je peux encoder la question avec plusieurs réponses et un feedback à différents niveaux sur la réponse, sur la question en général, et puis un feedback au niveau du test. Et je peux décider, j'encode ça au moment où je les encode. On a un projet de Moodlegram, grammaire sous Moodle, en utilisant ça. Et puis au sein du test, je décide qu'est-ce que je donne à mes étudiants. Le feedback, si c'est plus certificatif ou plus, ok, condition d'examen, on ne met pas le feedback. Ou on ne met pas les hints. Enfin, tout ça, après, on peut le changer. Et après, dans la base de données, une fois que les questions sont dans la base de données, mais j'imagine que Pieter avait ça aussi, on peut générer des tests avec des aléatoires dans l'exercice. Ça, bon, voilà. Par contre, ce qui est bien, mais j'imagine que Pieter avait ça aussi, on a des statistiques qu'on peut de nouveau filtrer par groupe. Et ça, c'est très étonnant. Parfois, j'ai des groupes où les réponses ne sont pas du tout les mêmes par rapport au même exercice, même niveau d'étudiant, et on voit que ce n'est pas du tout les mêmes questions qui ont posé problème. Donc, c'est très intéressant avant de commencer le cours.
Et tous les étudiants peuvent revoir toutes leurs tentatives, ça dépend, vous définissez le nombre de tentatives. L'étudiant peut flaguer ses questions, donc il peut mettre un cocher, un petit drapeau, et dire cette question-là, quand je reverrai, il faut que je vois ce que c'est. Ou ça peut être un deal avec le prof. Le prof peut aller voir les questions qui sont problématiques pour l'étudiant. Quand vous avez 200 étudiants, c'est un peu compliqué d'aller voir toutes les tentatives. Mais pour l'étudiant, c'est un outil qu'on leur montre. On leur explique en début d'année, voilà, utilisez ça, comme ça quand vous faites vos révisions, vous savez, si vous refaites le test et que c'est flagué, que vous avez la bonne réponse, c'est bien, vous avez appris. Donc là, il y a des choses. Ah oui, rapidement, dans les autres modules que nous avons, que je n'ai pas mentionné, le chat, c'est un chat, je l'ai déjà utilisé en classe, et ce qui me permet de récupérer tout le chat et après de donner un feedback plus sur la précision de la langue. Donc on était une grosse bande de geeks dans un local informatique, tous devant l'ordinateur, personne ne parlait, mais ça a très très bien marché. La base des gens, on en a parlé. Le feedback, c'est des formulaires, évaluation, récupération de données, ça c'est pas compliqué. Le glossaire, j'ai parlé. La leçon, c'est un parcours pédagogique. L'étudiant répond A, il va par ce chemin-là, il répond B, il va par ce chemin-là. Ça peut être utilisé aussi pour faire des genres de systèmes de flashcards. Donc, chaque fois qu'il donne, s'il donne la bonne réponse, la question ne revient pas. S'il donne la mauvaise réponse, la question reviendra plus tard. Ça prend pas mal de temps à mettre en place, mais c'est chouette. Liste de tâches, c'est une checklist. Pour la semaine prochaine, préparez ça, vous cochez. Et c'est plus une auto-évaluation de la part de l'étudiant, avec ou sans approbation du prof. Ça, c'est complémentaire. Open Meeting, c'est de la vidéoconférence, du podcast. De la vidéoconférence, plutôt. Rich Media, je ne vais pas en parler. Scheduler, ça sert à prendre des rendez-vous avec les étudiants, tout seul, en groupe. Et les wikis, je crois que vous connaissez le principe des wikis. Un espace collaboratif. Une fois qu'on a mis ça en place, on peut commencer à articuler les différents exercices entre eux. Et ça, c'est aussi une des grosses modifications à niveau 2. C'est qu'on peut définir, restreindre la disponibilité d'un exercice en fonction de critères de date. Donc avant, on faisait manuellement. J'ouvre à telle date, je le cache, puis je l'ouvre à telle date. Maintenant, on peut le faire à l'avance, en début d'année. On a le courage de définir toutes ces dates à l'avance et ça s'ouvre, ça se ferme quand vous décidez. Par groupe, vous pouvez décider que l'activité n'est visible que par les étudiants d'un certain groupe ou pas. Donc ça, je vais mentionner. Selon date et heure, condition de note, ça c'est nouveau. On peut dire que l'étudiant n'accède à l'exercice B que s'il a obtenu au moins 50% à l'exercice A. Ou alors, s'il a obtenu moins de 50, il a accès à un exercice complémentaire. Voilà, et à plusieurs, vous pouvez le faire à plusieurs niveaux. C'est intéressant, mais à utiliser avec parcimonie, si on est trop dirigé, enfin moi j'ai, mon expérience c'est que si on est trop canassé sur le système, les étudiants ont tendance à se décourager, maintenant ça dépend du contexte d'apprentissage que vous avez défini. On peut même, on peut aussi, selon une condition de fin d'activité, une fois que telle activité a été considérée comme vue, on peut, enfin, compléter, et ça compléter, ça peut être soit que l'étudiant voit, par exemple, vous pouvez donner, voilà le contrat pédagogique du cours. Vous le lisez, pour accepter, vous cochez la case. Seulement une fois que vous aurez coché la case, des exercices apparaîtront. Donc vous devez accepter le contrat pédagogique du cours. Ça peut être d'autres possibilités, bien sûr. On peut même définir une restriction d'accès au niveau d'un utilisateur. Alors là, si vous voulez faire un exercice par étudiant, mais c'est possible. C'est possible. Les critères d'achèvement, soit vous pouvez donner ça, ce rôle à l'étudiant. C'est l'étudiant qui coche la case à l'activité « je l'ai fait, je connais » ou alors selon des critères automatiques, donc il l'a vu et selon l'exercice, bah, si c'est par exemple un forum, démarrer une discussion, deux commentaires, un test, avoir obtenu un certain nombre de points. Vous ne pouvez pas définir, avoir obtenu une cote, pas spécialement avoir obtenu un certain nombre de points, mais avoir obtenu une cote, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'il y a des questions par... Là, c'est vraiment très rapidement un aperçu des différents outils. Là, je peux passer à quelques exemples, sauf s'il y a déjà des questions éventuelles. On peut demander que la note soit envoyée au prof chaque fois qu'un étudiant fasse un test. La note est directement dans le cahier de cotes. Donc, il y a un cahier de cotes assez... Oui, mais on peut le faire envoyer à une... Ça dépend de l'exercice. Non. Ça dépend de l'exercice. Oui, on peut faire pour un devoir, on peut faire que chaque fois que l'étudiant remet son devoir, le prof reçoit un email avec l'information que l'étudiant a fait. Mais pour les tests, je ne crois pas que ce soit prévu. Maintenant, c'est pas impossible. Donc on doit chaque fois aller regarder. Maintenant, moi je reçois tout. Hein. Chaque fois que ça bouge,
ça vient dans mon email. Moi, ça m'énerve. Je préfère définir une date à laquelle ça doit être fait, et puis je vais dans le suivi d'achèvement, ça je vais vous montrer, et je vois tout de suite qui l'a fait ou qui l'a pas fait. C'est ce que je faisais avant la date. Voilà. Ouais. En tant que tel, pour une notification quand c'est fait, je n'en ai pas connaissance. Maintenant, il existe peut-être des modules complémentaires qui le permettent. Oui. Oui, vous avez parlé de l'espace collaboratif du wiki. Est-ce que c'est vraiment comme un wiki? C'est-à-dire que c'est pas très ergonomique, surtout quand on veut utiliser une plateforme d'écriture collaborative en classe, quand on les fait travailler ensemble. Moi, j'utilise TritonPad, par exemple. Est-ce que vous savez, vous l'utilisez, vous le... Je l'utilise très peu. Personnellement, j'utilise très peu. Il y a, mais c'est, vous pouvez revenir à toutes les versions précédentes, c'est créer un peu un site web. Moi, je voudrais juste qu'ils écrivent un texte ensemble. Après, c'est un essai, une rédaction, un résumé. Il y a quelques moyens, et vous pouvez remonter dans les versions précédentes. Donc, chaque fois, allez voir qui a fait quoi. Je sais comment fonctionne. Ouais. Ma question, c'est est-ce qu'il y a une autre, comme une plateforme juste pour l'écriture collaborative qui est beaucoup plus ergonomique que le wiki? Non, là, c'est à ma connaissance, non. Ok. Merci. Voilà. Alors, quelques exemples. Voilà ce que j'ai un cours en néerlandais en commu, avec concernant John et Valérie Dachy. Chaque semaine, on leur demande de nous rajouter une expression qu'ils ont lue quelque part, qu'ils ont découvert quelque part en dehors du cours. Ça ne peut pas venir du service, ça ne peut pas venir d'un dictionnaire, vraiment d'un article. Donc, on leur demande d'encoder la nouvelle expression, la phrase exemple, la traduction de la phrase exemple, pas de l'expression, mais vraiment qu'il est bien utilisé, la source. Et l'URL si c'est possible. Et puis pour nous, ça s'affiche de cette manière-là. Donc on a défini le canevas de la manière dont ça s'affiche. Ça, c'est l'avantage de la base de données sur le glossaire, c'est qu'on peut définir vraiment comment ça s'affiche. Si on demande à un étudiant de remplir une entrée dans le glossaire, il peut un peu faire ça comme il veut, rajouter 5 images, 3 films, enfin tout ce qu'il veut. Une base de données, c'est un peu plus restrictif. De nouveau, on peut décider de... Et alors, dans cette base de données qui est faite par les étudiants, eux, ont leur, sous la fin de l'année, une quinzaine d'expressions qu'on utilise dans leur examen oral pour voir si c'est bien eux qui les ont faites, pour voir s'ils savent les utiliser. Mais nous, on approuve une trentaine d'expressions qu'on trouve intéressantes là-bas, qui font partie de leur examen écrit pour tous les étudiants. Et une fois que nous, on les a approuvées, tous les autres étudiants peuvent l'avoir. C'est juste une idée pour que les étudiants apportent aussi quelque chose au cours. Et on revient dessus au début du cours. Je commence toujours par « Ok, Pierre, Paul, Jacques, qu'est-ce que tu as amené comme expression cette semaine ?» Donc ça marche. Désolé, je n'ai pas anonymisé ici. C'est un autre exercice de base de données où là je vous disais, donc, on peut définir comment ça apparaît. Et spécial dédicace au vainqueur du Grand Prix d'Angoulême de cette année. On aborde Calvin et Hobbes dans un cours des étudiants en bac 2 en philo et lettres par rapport à l'art. On leur donne un cartoon où il manque les petits ballons, ce qui est tout à fait antinomique par rapport à la bande dessinée, mais pour l'exercice de langue, ça marche. Et puis ça s'affiche de cette manière-ci, mais ça c'est un peu plus complexe à mettre en place parce qu'il a fallu que je chipote un peu avec l'HTML. Mais ça... Voilà, ça c'est juste pour montrer, on peut le faire de façon basique et puis on peut avancer assez vite, très loin. C'est un simple petit exercice, il y a pas mal de fautes d'anglais, mais ça nous permet de récupérer des données réelles. Je passerai un peu au module de devoir. La Assessment Grid, donc on utilise le Cambridge Mark Scheme pour les Business English, où ils doivent faire des rapports et on leur donne ces critères-là. Et donc ça, c'est une capture d'écran de ce que le prof voit. Donc il voit quand... Bon, ici, ça a déjà été coté, mais il voit de façon assez claire. Non, étudiant, je l'ai anonymisé. Le point qu'il a donné, est-ce qu'il faut encore le donner corrigé? Est-ce qu'il faut donner du feedback? Et alors, quand le prof clique sur l'icône grade, il obtient une grille d'évaluation qui calcule automatiquement les points en fonction de ça. Donc c'est une des utilisations qu'on fait dans ce cours-là. Oui, je crois que là, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Le cahier de code dans ce même cours,
L'équipe enseignante, je ne donne plus ce cours-là, l'équipe enseignante a décidé d'arrêter l'examen écrit parce que les étudiants n'étudiaient que juste avant l'écrit et donc ils oubliaient, ils n'utilisaient pas le vocabulaire CP Business English. Et donc, ils ont des tests cumulatifs chaque semaine, unité, première semaine unité 1 et 2, deuxième semaine unité 1, 2, 3, 4. Chaque semaine, ils ont des tests et on leur donne la possibilité d'en rater 3. Et c'est la plateforme, donc le total, c'est les moyennes des tests, moins les trois plus mauvaises cotes, en excluant les cotes pour les tests pour lesquels ils étaient absents pour des raisons médicales, éventuellement, parce que ça arrive. Et bien c'est la plateforme qui gère tout ça. Donc les profs encodent directement leurs cotes sur la plateforme, et on a défini le cahier de cotes en fonction, et du coup la plateforme gère tout ça. Le cahier de cotes, j'utilise par exemple aussi pour communiquer à mes étudiants en droit, j'en parlerai rapidement, les points pour les différentes parties de l'examen. Donc je télécharge la liste des étudiants avec les points, il y a l'identifiant unique, j'encode dans Excel et je réupload et eux ils ont accès à ça directement. Ça demande un peu plus de mise en place, mais c'est assez sympa. Parce que là on a quand même un cours où il y a 6 profs différents, quand vous avez un fichier Excel que vous envoyez, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres comme dirait l'autre, ça ne marche pas trop. Suivi de préparation est aussi utilisé par checklist, hein, donc ça c'est nouveau le cours 1333, donc on donne aux étudiants chaque semaine des tâches à faire qui sont parfois simplement va chercher un article sur la vie d'étudiant et mets-le dans ton portfolio. Eh bien on leur demande de cocher au fur et à mesure ce qu'ils ont fait et nous on valide. Donc, là c'est quand même un cours où on a pas mal de suivi de l'étudiant et donc on valide et on voit la progression de l'étudiant ensuite où il en est, ce qui est très pratique au moment de l'examen oral où ils doivent venir avec leur portfolio. Leurs choses. Par exemple, là, on donne des devoirs où ils doivent envoyer des emails. Alors, un temps, on leur demandait d'envoyer l'email en tant que devoir sur la plateforme, ce qui était très bien pour la gestion. On voyait tout de suite qui l'avait fait ou pas, mais ça enlevait un peu l'authenticité au fait d'envoyer un email. Et donc, on est revenu là-dessus, mais on a juste fait la checklist, comme ça, c'est nous qui disons OK, il m'a envoyé l'email, je coche, c'est bon. Et pour moi, le suivi d'étudiants est quand même beaucoup plus pratique. Ça, c'est un module complémentaire. Ici, je vais vous parler de notre cours un peu témoin mastodonte, comme je l'appelle. C'est le cours English 21, English for Lawyers. C'est le cours que je suis venu présenter il y a quelques temps et qui a évolué depuis grâce aux évolutions de la plateforme, qui est un cours où on a articulé les exercices en fonction de préparation à la maison, travail, et en classe, on travaille sur ce qu'eux ont préparé grâce aux données qu'on a récupérées. Donc, c'est un cours de droit bac 1. J'avance un peu vite. Niveau intermédiaire, anglais général à tendance juridique, majoritairement compréhension audition à la lecture, grammaire et prononciation. La prononciation est travaillée en classe, pas beaucoup sur la plateforme forcément. Il y a 280-300 étudiants par an. On a 12 groupes, 3 maîtres de langue. Donc on est 3 profs, donc moi je le donne 4 fois par semaine. Et nous sommes passés de 60 heures de présentiel en 2010, septembre 2010, on est passé de 60 heures de présentiel à 30 heures de présentiel pour 4 crédits. Donc, ils devaient travailler de chez eux. La séquence type, c'est en classe, on introduit la matière qu'ils vont devoir préparer pour la semaine d'après, on revient sur ce qui a été préparé, on explique des points de grammaire, on revient vraiment sur ce qui est fait. Ils rentrent chez eux et ils préparent via des tests, ce qu'on appelle des learning quizzes. Tout ce qui doit être fait. Donc là, on a vraiment fait un travail d'encodage sur le feedback. Ils ont autant de tentatives qu'ils veulent. Ils peuvent revenir dessus. Il y a un petit accès conditionnel. Donc on n'a pas tout bloqué parce que pour nous, l'étudiant qui a vraiment du mal, il doit pouvoir quand même être rassuré sur la chose qu'il est quand même arrivé quelque part. Donc des vidéos, des textes, donc tout ça est préparé. Et on arrive ensuite. Ils ont des liens vers d'autres sites, bien sûr. Et puis, quand ils reviennent en classe, on fait des exercices additionnels. Et vraiment, selon le niveau de la classe, les exercices sont différents. Et c'est ce que je disais, on a des enseignements un peu différents. Voilà, donc ça, c'est une... Là, par exemple, on voit une activité, bon, ça ne pouvait pas forcément rien lire, qui n'est accessible aux étudiants que s'ils ont tenu 50% à l'exercice de pré-écoute. Donc, ils doivent avoir acquis le vocabulaire nécessaire pour pouvoir travailler la suite. Ben non, c'est un accès de lecture, c'est bon. Du point de vue de l'étudiant, ben ça c'est une séquence type.
Donc là, on a juste fait un peu de mise en page, on a utilisé des indents, on a rajouté des fichiers, des étiquettes, des activités. Donc vraiment, les activités sont vraiment mises exactement où vous voulez dans la progression de l'étudiant. Il a, donc il a un semainier, il y a un accès semi-conditionnel, ce que j'ai déjà expliqué. Désolé, j'ai fait cette portion à quelque temps. J'ai un peu oublié. Indication d'achèvement, donc si l'étudiant a fait, c'est coché. Donc au fur et à mesure, il voit ce qu'il a fait. Il a un tentative, il a un nombre de tentatives illimité. Il peut le faire autant de fois qu'il veut. Et c'est son meilleur score qui garde dans son cahier de code parce que ça, ça les rassure. Et du coup, c'est nous, on ne compte pas les points. Par contre, on leur dit, ne faites pas faire ça par votre meilleur ami, ça ne nous donne aucune info sur ce qu'on doit faire en classe. Mais on compte votre participation. Donc, dans ce cours-là, ils ont 2 points sur 20 qui comptent pour l'évaluation continue, 1 point pour le travail en ligne, 1 point pour la présence et la participation au cours. En fait, c'est cadeau parce que c'est faire leur travail d'étudiant, mais c'est un motif certain. Et je vais pouvoir donner 2-3 exemples. On a commencé à faire des analyses de chiffres et c'est assez intéressant. L'étudiant a un feedback automatisé par rapport à un test. Donc dans ce cas-ci, l'étudiant a fait à sa première tentative 8,49 sur 20 et un feedback général, this is not enough, please try again, of course. Spécifique par rapport à ces questions. En rouge, même pour les mauvaises réponses, ben voilà pourquoi ce n'est pas. C'est une convention à l'audition, réécoutez à 7 minutes 42, là vous aurez la réponse. Et même si c'est la bonne réponse, on a retranscrit les parties pour être sûr qu'ils aient bien compris. Ce n'était pas un coup de peau. En espérant qu'ils le lisent, le feedback, bien sûr. Et une barre de progression sur voilà où j'en suis. Au niveau de la... Ça, c'est un module complémentaire aussi. Du point de vue de l'enseignant, ben nous, on voit bien sûr toutes les tentatives et les questions, par exemple, flaguées, dont je parlais. On a les statistiques des tests par groupe ou en général, qui nous permet de voir, OK, cette question, ça c'est bon. Éventuellement, pardon, aussi la possibilité de voir si la question est trop difficile, parce qu'il y a tous les coefficients là. Et parfois, de nouveau, les résultats sont tout à fait différents d'un groupe à l'autre. Le suivi d'achèvement, voilà pour répondre. Avant le cours, je peux télécharger un fichier Excel qui me donne pour tel exercice, l'étudiant l'a fait ou ne l'a pas fait, avec la date. Donc ça a été fait ou pas fait. Donc suivant les critères d'achèvement qui ont été définis au niveau de la plateforme. De nouveau, que je peux définir par mon groupe le mardi 4h par exemple. On peut aussi voir la durée de connexion, mais ça c'est avec un module complémentaire qu'on a rajouté aussi, donc qui est une estimation du temps travaillé par les étudiants, et d'autres infos vraiment, l'étudiant, je n'y suis pas arrivé, ben, on peut aller voir sous la tentative, j'ai eu le cas d'un étudiant qui me disait, j'ai vraiment un problème avec ce travail, mais j'ai fait l'exercice, j'ai mis dans mon bureau, elle n'était pas arrivée à la fin de l'exercice, mais c'était trop difficile monsieur. Essaye au moins jusqu'au bout, on essaye, et puis tu reviens me poser des questions. Donc là, c'est intéressant. Du point de vue de l'étudiant, forcément, chacun paraît son rythme. Mais là, je reste sur le dispositif 18-21. La prise en main, autonomie, donc il commence à être un peu autonome dans son apprentissage. On a quand même découvert qu'avec ce système-là, on arrive à faire des vidéos beaucoup qu'on n'aurait pas pu faire il y a quelques temps, qui sont à un niveau C1, C2 parfois. On ne teste pas C2 à l'examen. On ne teste pas un niveau C2. Et on leur demande d'arriver au moins à comprendre certaines informations. Et on teste de la même manière la compréhension à l'examen de ce qu'on leur a demandé, le niveau qu'on leur a demandé de compréhension de la vidéo. On regarde des séries télé en fait, qui vont très très vite. Mais avec les outils progressifs, on a réussi à les amener à aller beaucoup plus loin qu'on croyait avant. Du coup, le côté ludique, on essaie de varier un peu aussi le papier. Hein. Donc on est aussi en classe et en classe on fait des exercices différents. Il y a un feedback et une transparence. Donc ça, pour nous, c'était fort important que l'étudiant sache clairement où il en est, pourquoi c'est la bonne réponse, pourquoi c'est la mauvaise réponse, etc. Travail régulier et valorisé dans l'évaluation, c'est ce que je disais. Pour la prise de confiance, et ça leur permet de repousser leurs limites, ils vont vraiment plus loin que ce qu'on croyait. Donc plus de motivation, apprentissage plus efficace, c'est ce qu'on espère. Le taux de réussite est plus élevé. Est-ce que le taux d'apprentissage est plus élevé? Ça, c'est en cours d'évaluation. Soyons très précis, je ne sais pas. Alors, voilà. Du point de vue de l'enseignant, bah nous, on suit la progression. Un peu. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible. Hein, sur 60 étudiants, pour une heure par semaine, de tout suivre.
plus important, c'est que l'étudiant sache qu'il n'est pas tout seul, qu'on peut le suivre et qu'on peut lui donner un feedback un peu plus personnalisé. On observe aussi plus de venues en dehors de réception. Et par rapport à la façon dont on a communiqué sur le test dispensatoire, ça je vais en toucher quelques mots après, beaucoup plus de consultations de copies qu'avant. Il y a un retour de la part d'étudiants, on identifie les difficultés réelles, on arrivait. Donc dans ce texte, cette phrase est difficile, ben non, là ils ont tous passé outre. Donc là on arrive à faire quelque chose un peu plus précis. Une variation pour nous aussi, on est plus accompagnant que prof. Alors là c'est aussi des habitudes à changer du côté des étudiants, ça ne marche pas toujours. De nouveau, d'un groupe à l'autre, on est sur autre chose. Du coup, on réfléchit vraiment à la façon de donner cours. Alors, on a vraiment changé pas mal. Donc, entre les besoins pratiques, là, le cours qui divise de moitié en nombre d'heures de présentiel, les outils qui nous donnent des idées, puis on avance, on a vraiment... Et chaque année, ce cours-là que j'ai présenté, c'est un travail qui a commencé donc, il y a quelques 2010, en septembre 2010. Et on a, chaque année, on l'améliore encore. Donc le prochain pas, c'est améliorer la partie en classe, avec des exercices complémentaires, éventuellement un syllabus d'exercices qui n'est distribué qu'en classe, donc là, on y réfléchit encore.